Ils ne le savent pas encore, ce sera la journée de leur vie. Tout le monde est vite à pied d'œuvre. La taille des cavernes où va se loger l'Erd dépasse l'entendement. Dans la passe, tout le monde a vite compris qu'il s'agit d'une journée historique. Personne n'est jamais rentré dans un tube aussi massif. Et la manière dont Nelson vient récupérer l'Erd entre deux vagues est primordiale. Il s'entraîne depuis des années pour ce genre d'instant. Ça fait à peine 3-4 jours que je travaille avec lui. Je peux pas te dire s'il est fou ou quoi, mais il est un peu timbré aussi pour prendre des vagues aussi haut que ça. Hein. Et puis des vagues, presque souvent les surfeurs ne prennent pas, lui il les prend. Alors, ça t'attend de voir s'il est fou ou quoi. Laird se met aux commandes du jet pour piloter les autres surfeurs et leur faire profiter de son expérience des vagues géantes d'Hawaï. Tout le monde veut profiter de cette journée unique, tout du moins tous ceux qui ont la capacité de se glisser dans les entrailles d'un tel monstre. Dans la passe, la situation commence à se dégrader. La distance entre les vagues se resserre et le volume d'eau grossit, obligeant le pilote du bateau à redoubler de vigilance. Les vagues ne dévoilent toute leur puissance qu'à la dernière seconde, mieux vaut anticiper. Et puis, Laird retourne à l'eau. Il va voir surgir une masse sombre, devant laquelle il n'est plus qu'un infime point. Jamais personne n'a réussi à surfer une telle masse d'eau, dégageant une telle énergie. Tout le monde va rester sous le choc. Rien de tel n'est arrivé avant aujourd'hui. Moi, je sentais que j'étais au maximum, au max, au max, au max. Je ne pouvais pas aller ailleurs. There was nowhere else to go. So awesome. Après les félicitations, Laird fait tomber la carapace. Il va craquer. Cette fois-ci, c'est une vague d'émotion qui l'envahit, le choc de cette vague énorme. Il réalise qu'il vient de vivre un moment unique, la conclusion d'un séjour incroyable. C'est probablement la plus grosse série de vagues jamais surfées.